Ok, donc l'idée c'est qu'on va ouvrir ici, donc faire des trous pour que le feu puisse s'échapper par ici. Et ajouter un tube comme ça. Et éventuellement isolé ici entre les deux tubes. I like the way you walk. I like the way you talk. Let me hold your hand. Try to understand. I want a girl like you, tell my troubles too. Don't be afraid, you heard what I said. Let the full wind blow, let him blow, let him blow. From the east to the west, I love you the best. Let the full wind blow, let him blow, let him blow. From the east to the west, I love you the best.
fuck. Nous sommes le lendemain matin. Donc si j'ai appris une chose, c'est que les canettes de coca en Europe ne sont pas faites en aluminium comme aux États-Unis, mais elles sont faites en fer blanc, c'est-à-dire c'est du fer couvert d'étain pour pas que ça rouille. Et il n'y a que le couvercle qui est fait en aluminium. Donc forcément ça ne fond pas à ces températures-là, donc 660 degrés. Et donc j'ai dû récupérer des pièces de voiture en aluminium pur, en vrai aluminium, pour faire fondre. On va voir le résultat. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que le sable laisse passer la chaleur et donc le plastique que j'ai utilisé pour tenir le sable a fondu, ce qui a fait que l'aluminium a fondu, s'est cassé la gueule. Donc je vais enlever ce qui dépasse là et puis plus tard je refermerai le trou avec de l'aluminium fondu. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je roderai le couvercle avec de la pâte à roder pour que ça soit bien étanche partout, tout le tour. En attendant, je vous dis à la prochaine.